à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve pour faire un vlog parce que je sais que les vlogs ça vous manque. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, racontez-moi votre vie. On est le lundi 11 novembre, c'est férié aujourd'hui donc je n'avais pas cours. Donc du coup j'ai eu un week-end de 4 jours. C'est chiant parce que depuis le changement d'heure, du coup je dois partir de chez mes parents vers 4h puisque j'ai 1h30 de route. Et il fait déjà nuit à 5h, 5h30. Mes devoirs ils sont déjà faits. Je vous retrouve pour vous prendre une semaine avec moi dans ma vie d'étudiante pour vous montrer comment je m'organise, qu'est-ce que je fais, etc. Je repars chez moi jeudi soir, donc là j'ai que 3 jours de cours, 3 jours et demi, puisque vendredi soir j'ai ma remise des diplômes. Vous voyez, j'ai un frigo assez plein. Vraiment, les carambars au nougat, mes préférés. En ce moment, j'hésite à changer de téléphone. J'ai le 7. Ça va faire 3 ans au mois de mars, je crois, que je l'ai. Et il est en très très bon état, hein. Franchement, il fonctionne bien, il est pas pété. De toute façon, moi, tout ce qui est téléphone, ordinateur, j'en ai toujours pris soin. Surtout que lui, je l'ai payé moi-même. Enfin, j'ai travaillé pour le payer. Le souci, c'est que je n'ai que 32 gigas et que j'ai plus de place dans mon téléphone. Donc, toutes les nouvelles mises à jour iOS, je ne veux plus les faire. Et je pense que les applications, ça va bientôt être pareil. Et d'une autre part, la qualité photo commence à moins qualité photo et vidéo commence à moins me convenir. Et c'est pas du tout un caprice. Mais c'est vrai que je commence beaucoup à y réfléchir. Et voilà, du coup, mon point de doigt One Button, c'est celui-ci. Je suis en pleine recherche de stage, toujours et encore. Je vous en avais parlé au début de l'année. Mais là, ça s'avère compliqué. C'est au mois de janvier. Et j'ai démarché je ne sais combien d'entreprises. Enfin, je ne sais, peut-être une dizaine. Franchement, c'est pas ouf. Quand je suis allée à Londres, je suis allée à Primark et il y avait des petits cols roulés, vous savez, près du corps comme ça. Ils coûtaient que 6 livres, donc c'est équivalent à peu près à 8, 9, 10 euros, je sais pas trop quoi. Mais bon, à moins de 10 euros et il y en avait en plein de couleurs. Je l'ai pris qu'en camel. Et ben franchement, je regrette puisqu'il est en gris, il est en noir. Et ça, c'est des basiques et j'avais un peu peur de la qualité, mais ils tiennent super chaud. Et du coup voilà, surtout moi j'adore les cols roulés comme ça près du corps. Là je vais me faire manger pas parce qu'il est 21h et qu'après je vais pas tarder au lit parce que demain je prends 8h et j'aimerais bien pas me lever trop en retard. De gérer les repas machin. En vrai au début c'était un peu compliqué bah, parce que moi j'étais 3 ans à l'internat. Du coup bah je me faisais jamais manger les midis et les soirs, toujours programmé. Ah, je prends le rythme. J'essaye de me faire des plats quand même équilibrés. Parce que là en ce moment j'ai pris pas mal de poids, je vous avouerai, je vais pas vous le cacher. Donc voilà mon repas de ce soir. Nous avons du pain de mie grillé. Nous avons plein de poulet avec de la crème fraîche, la pimenta fusillée avec de la mayo. Donc voilà, c'est très léger, sachant qu'après je vais manger un yaourt. Donc là, l'heure est fatidique. Du coup, pendant que je faisais la vaisselle, j'ai fait un petit masque le temps qu'il pose. C'est un masque de chez Sephora. Je vous l'avais présenté dans une de mes stories. C'est le peel off, c'est le nouveau. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Il est 7h30. Je vous montre vite fait ce que je porte et je me casse en cours. J'ai un col roulé noir de chez Pinky, une chemise de chez Zara, cette veste, manteau, je ne sais plus, c'est ustensile chinois. Ce pantalon vient de chez Bershka. J'ai mes Nike. Ouais, bonne journée et je vous retrouve plus tard. Est-ce que vous avez passé une bonne matinée? Alors pour moi ce midi c'est des pâtes. Quand je rentre les midis j'essaie de faire des trucs assez simples, voilà. Pâtes gruyère et là j'ai du filet de merlan. Ouh, je suis fatiguée moi. Il est bientôt 11h, j'ai révisé toute la soirée.
J'étais pas très très bien concentrée, donc c'est pour ça que ça a mis beaucoup plus longtemps. Je suis désolée, je vous ai pas du tout pris ce matin. Et là, je suis crevée, j'ai eu une journée. Là, je viens de sortir de 2 heures de mana, franchement, j'ai super mal au crâne. Et là, en fait, il est 5h16. Dans 10, un quart d'heure, je dois passer des coups de fil. Ah voilà, mon miroir est dégueulasse, je m'en excuse. Donc voilà, en fait la ceinture c'est avec une veste, donc, mais je la mets parce que je la préfère. Et le pantalon vient de chez Bershka, voilà, c'est un pantalon noir tout simple. Ensuite en pull, c'est un pull un peu crop top, donc c'est pour ça que j'ai mis ce pantalon. C'est un pull avec des perles, donc le pull il vient de chez Zafoul il me semble. Et j'ai cette veste qui vient de chez Primark, je l'aime trop, il y a de la moumoute intérieure. Et je l'avais pas payé cher du tout en fait, donc voilà. Et mes chaussures d'Air Force One, on est toujours aussi bien dedans, donc voilà. Là je fais généralement tous les soirs, après mes cours je les range, je trie mes cours, enfin je range bien tout ce qu'il faut parce que j'emmène pas tous mes cahiers de la journée avec moi. Je prends mon ordi et un cahier dont je vais avoir besoin. Du coup là j'ai pris ma douche, je vous ai pas montré parce que je suis restée genre 20 minutes sous l'eau chaude, j'avais trop froid, je sais pas pourquoi, et je suis très fatiguée en ce moment, donc voilà, ça m'a fait du bien. Ah, moi j'adore les pyjamas. Donc voilà les gars. Bonne nuit. Pas longtemps à me préparer. Vous voyez, je me lève vers 20. Ensuite, je déjeune pendant 5 minutes. Ensuite, je vais m'habiller pendant 5 minutes parce que généralement, je sais ce que je vais mettre. Moi, c'est très rapide le matin. Je déteste être là et rien faire vraiment. Moi, je suis archi pas du matin. Bon là je prends 9h, ce que je fais en maquillage c'est très simple, je mets du labello, parce que si je mets pas de labello, bye bye mes lèvres. Je mets de la crème hydratante, là c'est la Hydrian Rich de La Roche-Posay. Ensuite je recourbe mes cils, il vient de chez Elite, ça fait un petit moment que je l'ai, donc je pense que je vais pas tarder à le changer. Je vais mettre du mascara, là c'est La Roche-Posay. Il est vraiment pas mal. Ensuite je machine mes sourcils. Et puis c'est tout. Je mets pas de rouge à lèvres. Je mets pas de... Je mets pas d'anti-cerne ou de fond de teint. Déjà de base je mets pas de fond de teint. Bon les loulous, je vous montre parce que je suis pas en avance, donc je me dépêche. Mon pull col roulé vient de chez La Halle. Mes qualités bof bof bof. Je sais pas si ça va se passer à la machine. Cette petite moumoute elle vient de chez Zafoul. Mon jean noir de chez Zara. Et mes chaussures, c'est des Air Force, mais je sais plus quoi. Donc voilà, je vais y aller. Bisous, bonne journée. Je suis en week-end. Bon, il est 16h, c'est une fin de journée et une fin de vlog pour vous et pour moi. J'ai quelques petits trucs à faire, genre sortir les poubelles. Et oui, tout le monde sort les poubelles, regardez, elles sont juste... Non, moi je suis là. On a gagné 2e place. J'ai paniqué, j'avais perdu mes clés de voiture. Oh la vache. Ouais. I traveled there to the place I fell in love.